Attention à l'enfance. Depuis ses commencements en 1982, l'ONG REMA a accueilli dans ses foyers à femmes avec problèmes d'exclusion sociale, qui, dans beaucoup de cas, arrivaient avec leur enfant. C'est pour cela qu'il a fallu préparer un programme d'attention à l'enfance qui couvrait toutes ses nécessités. Plusieurs sont les programmes d'actuation en ce qui concerne à l'enfance qui vit dans les foyers de l'ONG. Par âge, un pour enfants de 0 à 3 ans, âge dans lequel les enfants sont pas scolarisés. Un autre pour âge en pleine scolarisation, de 3 à 14 ans. Par cause sociale et familière, avec un programme d'attention à orphelins, enfants abandonnés et enfants en situation familière d'urgence par problème référent à leurs parents. Que tenemos, este es Noah, tiene 5 años, él vino con su madre que tiene problemas de mentales, él ha venido en precaria condición, con 3 años pesaba solo 8 kilos, él es HIV positivo, por la gracia de Dios pues su salud es buena ahora. L'enfance est un des secteurs de la population les plus vulnérables à l'exclusion sociale et la pauvreté qui se présente surtout dans les pays du Troisième Monde où REMA agit. C'est pour cela que notre programme dirigé à l'enfance s'établit à travers des foyers où se couvrent les nécessités basiques des enfants, telles que la demeure, l'alimentation, le vêtement, l'éducation, les loisirs, etc. Surveillant avec un spécial intérêt, qu'ils soient dans une atmosphère adéquate pour leur croissance. Par milliers, sans compter les enfants qui vivent dans les 72 pays dans lesquels ils se travaillent dans l'actualité. Et tous eux reçoivent un traitement spécial, en accord avec la Déclaration universelle des droits des enfants et en primant toujours leur bien-être et joie.